L'administration Trump aurait chargé Lourenço de jouer le médiateur entre Tshisekedi et Kabila. Face aux multiples couacs entre la famille politique de l'actuel président de la République Félix Tshisekedi et de son prédécesseur Joseph Kabila, pourtant membre d'une même coalition au pouvoir, le gouvernement américain a demandé à João Lourenço, le président angolais, de jouer au médiateur, apprend Théon de la lettre du continent. Selon ce média, l'étape de Kinshasa figurait bien sur le programme de la tournée qu'effectue Mike Pompeo en Afrique depuis le 14 février dernier. Et dès janvier, ce programme était connu de Félix Tshisekedi, le président congolais qui a fait l'annonce de la visite du secrétaire d'État américain Mike Pompeo le 17 février 2020. Est-il que cette visite a été avortée au dernier moment, principalement parce que Mike Pompeo ne voulait pas arriver en plein gré guerre entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila suite aux multiples interpellations des proches de l'ancien président, notamment Albert Youmé, Ramazani Chadari et récemment Kalev Mouton, ancien administrateur général de l'ANR. Il y a aussi et surtout l'affaire des sanctions contre les proches de Kabila, dont Dame Jetéalé, qui est l'un de puissants leviers pour inciter Kabila à négocier. Ce dernier aurait même mandaté l'avocat de Donald Trump en personne, Alan Dershowitz, pour négocier avec le Trésor américain en vue de la levée des sanctions contre ses avoirs et entreprises afin qu'il puisse toucher ses 128 millions d'euros prêtés à la Gécamines. Une affaire qui est à la base de la mise en accusation des plusieurs responsables de la Gécamines, dont Albert Youmé. Pour ceux, l'envoyé spécial des USA pour la région des Grands Lacs, Peter Pham, a été missionné pour inciter les deux hommes à un compromis. Pourquoi le choix de João Lourenço? Le choix de João Lourenço pour mener la médiation entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila n'est pas anodin. Ce dernier, qui parle bien français, est très proche de deux hommes politiques. En effet, ensemble avec Félix Tshisekedi, ils menant une médiation entre le Rwanda et l'Ouganda à travers le quadripartite qui se tient au Luanda entre les quatre présidents. D'un autre côté, il est un allié privilégié de la RDC dans plusieurs domaines comme le commerce bilatéral, le transport, l'armée, etc. La lettre de continent rapporte aussi que c'est l'une des rares personnes écoutées par le camp Kabila. Il a supervisé le soutien militaire angolais au régime de Kabila. Kalev Mouton, pourquoi voudrais-je déstabiliser des institutions que j'ai moi-même contribué à mettre en place? Intervenant sur Jeune Afrique, l'ancien numéro 1 de l'ANR a démenti balayé d'une main les accusations qui veut qu'il soit en contact avec des forces étrangères pour déstabiliser le pouvoir du président Félix Tshisekedi. Le président du Sénat est issu de mon parti, la présidente de l'Assemblée nationale, le premier ministre, les ministres du FCC. Ils sont tous de ma famille politique. Pourquoi voudrais-je déstabiliser des institutions que j'ai moi-même contribué à mettre en place? S'interroge-t-il dans une publication à lire sur le site du magazine Jeune Afrique. Dans les services de sécurité, aucun responsable ne peut penser que, moi, je peux collaborer avec le mouvement M23, tempête-t-il. Le terme force négative, je suis la première personne à l'avoir utilisé dans la région. Alors, comment puis-je, aujourd'hui, aller négocier avec ces gens? A-t-il interrogé. La semaine dernière à Kinshasa, alors qu'il rentrait d'un voyage d'Addis Abeba, Kalev Mouton voit des agents de l'Agence Nationale de Renseignement, ANR, le cueillir à l'aéroport international de Ndjeili. Il sera transféré aux locaux d'une agence qu'il a lui-même fauconnée, au centre-ville de Kinshasa, pour un interrogatoire qui durera plusieurs heures. Au départ, la situation est politique. Quelques jours avant, l'ancien administrateur général de l'ANR avait menacé le parti de Félix Tshisekedi des révélations qui risquent de faire parler les sourds-muets en RDC. Mais la situation se complique pour lui. À l'issue de l'interrogatoire, Kalev Mouton voit son passeport être confisqué par les services. Il est désormais interdit de quitter le territoire national et doit se mettre à la disposition des services. Lire aussi enquête les milliardaires du chaos, le président de l'Assemblée provinciale du Nord qui fut accusé d'exploitation des enfants. Selon plusieurs sources, dont RFI, l'ancien homme fort de Kabila est accusé d'atteinte à la sûreté de l'État, un crime que lui-même connaît suffisamment.
Dans sa tournée dans l'Est, M. Mouton aurait, semble-t-il, été en contact avec des forces hostiles au régime de Félix Tshisekedi. Kinshasa, près de 40 morts dans un accident de circulation vers Triangle au rond-point Gaba. Les Wewa, une milice insoupçonnée au cœur de Kinshasa. Le transport urbain à moto gagne du terrain chaque jour qui passe à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, RDC. Il prend de l'ascendance sur les véhicules de transport en commun sur tous les tronçons, dans les 24 communes de la ville de Kinshasa. Au début, les mototaxis étaient les chouchous des filles qui n'apprécient pas traîner à l'arrêt. Mais actuellement, il intéresse tout le monde. La moto présente beaucoup d'avantages en termes de temps et raccourcis. Les taxis moto se moquent éperdument des embouteillages dans une ville où la construction des sauts de moutons crée des bouchons sur les grandes artères aux heures de pointe. Les motards se faufilent comme des rats en dessous des tables et gagnent du temps. Ils prennent des sentiers même inusités et en créent d'autres, question d'avancer. Quitter le centre-ville pour l'aéroport de Ndjeli est un casse-tête actuellement. Au lieu de mettre 45 minutes comme jadis, aujourd'hui les véhicules mettent difficilement 3 à 4 heures de parcours. Si du boulevard du 30 juin jusqu'à Limete la circulation est fluide, les nerfs deviennent tendus dès le pont Matute. Ici commence le calvaire qui peut vous prendre plus d'une heure pour arriver au quartier 1, après le pont Ndjeli. De là jusqu'au quartier 3, après le saut de mouton de Pascal, aux encablures de la route Moncali, seule la moto s'en sort au prix des coups de poing. Il faut avoir des biceps pour se créer de l'espace et avancer. Quant aux véhicules, ils sont immobiles comme des moellons. Si j'ai un vol de 20 heures, je quitte la ville à 13 heures pour ne pas rater le voyage, affirme un évêque catholique qui se plaint lui aussi des embouteillages. En pareilles circonstances, les mototaxis sauvent tant soit peu. Les motos, bien qu'appréciées, n'ont pas que des avantages. Les conséquences sont énormes et parfois fatales. Des gens sont morts et enterrés parce qu'ils étaient transportés sur les motos. D'autres par contre sont devenus infirmes après accident. Les conséquences sont d'autant nombreuses que les avantages. Une certaine catégorie de personnes refuse farouchement de prendre la moto, vu les désastres causés par ce transport urbain. À la base, les motards, appelés Wewa. La majorité d'entre eux a appris à conduire sur le tas. Aucune formation, même pas un simple recyclage. Conséquence, ils conduisent sans état d'âme. Ils sont trop pressés et n'admettent pas attendre où il y a embouteillage. En se faufilant, ils occasionnent des accidents mortels. Beaucoup d'entre les chauffeurs des motos ne respectent pas le code de la route. Ils roulent à vive allure et invectives chemin faisant. Au début, ils étaient moins nombreux, tous des pères des familles, des responsables. Il y a 8 à 10 ans, ce transport était très sollicité. Mais avec la rareté des diamants au Kasaï oriental, tous les exploitants artisanaux se sont retrouvés à Kinshasa, avec une seule activité, conduire la moto. Parmi eux, plusieurs étaient des kidnappeurs au polygone Miba. Là-bas, ils sont appelés suicidaires. Ils pénétraient dans des enclos interdits de la Miba pour extraire le diamant et tuer tout policier ou brigadier de mine qui surgissait. Ils ont quitté les mines après la banqueroute de la Miba pour opérer nuitamment à la cité. Suicidaires, ils sont bien armés quand ils s'introduisent dans une famille pour la dépouiller. Ils terrorisent tous les quartiers, emportent et empoignardant jusqu'à achever tout celui qui leur résiste. Ils opéraient à la manière des Kuluna. Voilà qui fait qu'ici à Kinshasa, ils peuvent se concentrer et tuer des policiers, brûler des bus quand quelqu'un de leur est en danger. Ils constituent une force très nocive et peuvent faire du mal à n'importe quand. Ils ont un esprit aiguisé à la guerre sauvage et sans règles. La peur de la population se justifie, étant donné que l'État ne connaît pas leur nombre exact ni ne les a identifiés. Si un Wewa commet un meurtre, il disparaît impunément dans la nature. Ils peuvent prendre en otage et paralyser les activités pendant autant de jours. Certes, tous ne sont pas des criminels. Parmi eux il y a des intellectuels, des responsables qui conduisent selon les normes. Mais ils sont minoritaires.
L'État doit ainsi prendre ce phénomène à bras-le-corps pour endiguer que les pratiques tortionnaires et inciviques n'aillent crescendo. C'est maintenant ou jamais. Ce transport doit être réglementé parce qu'il aide beaucoup dans un pays où l'État ne donne pas du travail. Mais les chauffeurs taxi-moto doivent se conformer aux règles de jeu. Sinon l'État lui-même le regrettera un jour.